non plus. Allez, c'est parti. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller écouter Jennifer en live avec Tourner ma page en version acoustique. C'est parti. On n'a pas trop de temps à faire l'amour à l'envers, il y a tant de vent contraire. On n'a pas trop de ciel pour s'étendre sur le sujet, à rêver l'essentiel enlacé. Mais quand l'amour est là, il n'est jamais acquis, et quand il est parti, il nous laisse des pourquoi, 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 pourquoi. Je n'emporte rien vraiment, je veux vivre d'autres nuits, je suis riche du temps. De tout ce que j'ai perdu, je suis légère au vent. Je promets d'être sage, de laisser au cadran l'aiguille tourner ma page. On n'a pas trop de nuit, même en fermant les yeux, pour semer nos solitudes à deux. On n'a pas trop de vie pour voyager la terre, elle n'a jamais menti, même l'hiver. Mais quand l'amour est là, il n'est jamais acquis, et quand il est parti, il nous laisse des pourquoi, 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 pourquoi. Je n'emporte rien vraiment, je veux vivre d'autres nuits, je suis riche du temps, de tout ce que j'ai perdu, je suis légère au vent. Sage de laisser au cadran l'aiguille tourner ma page, l'aiguille tourner ma page. Je n'emporte rien vraiment, je veux vivre d'autres nuits. Je suis riche du temps, de tout ce que j'ai perdu. Je suis légère au vent, je promets d'être sage, de laisser au cadran l'aiguille tourner ma page. Je n'emporte rien vraiment, je veux vivre d'autres nuits. Je suis riche du temps, je suis légère au vent. Merci. Bien, je... Merci beaucoup, Jennifer, d'être avec nous. Alors, juste deux, trois petites questions. On est déjà ravis de vous avoir avec nous. Lunatique, c'est déjà le troisième album. Et alors, vous avez déclaré récemment dans la presse, enfin, vous allez me le confirmer parce qu'on n'est pas toujours la vérité dans la presse. Pour mon premier disque, je me suis laissée porter. Pour le deuxième, j'étais enceinte. Et c'était ma priorité. Et j'espère qu'avec le troisième, on va m'écouter. Vous avez l'impression de vous mettre davantage en danger avec ce disque ? C'est-à-dire que là, j'ai juste pris le temps de faire un album, finalement. Je ne m'étais jamais vraiment retrouvée en studio. Je me suis jamais imposé le temps, finalement, qu'il fallait pour faire normalement un album. Voilà, j'avais envie de composer, j'avais envie de m'épanouir aussi en studio pendant un certain temps et d'en extraire des chansons pour faire un disque toute seule comme une grande. Et puis vous êtes plutôt bien entourée, Maxime Nucci à la réalisation. J'ai beaucoup de chance. Mathieu Chédid. J'ai été portée par des musiciens extraordinaires sur cet album. Bob Pierre Montaigne aussi, connu pour son travail avec les Stones et Bowie, ça c'est la super classe. Ouais, au niveau du mix, ouais, beaucoup de chance. Et Guillaume Canet dans tout ça, comment il s'est retrouvé sur l'album? En fait, Guillaume, c'est un ami et c'est un ami qui est musicien aussi. Il y a beaucoup de passages au studio et il se trouve qu'on lui a demandé si ça le branchait de jouer sur un de ses morceaux, un de ses morceaux favoris de l'album. Et puis ça l'a branché et il a tout de suite voilà, gratté. Ça s'est passé très naturellement tout ça. C'est un très bon musicien. Et du coup, ça me fait un joli cadeau parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Un album fait entre amis. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec merci nous. Vous restez avec nous d'ailleurs. Volontiers. On va retrouver nos journalistes qui sont en pleine interview. C'est parti, on les retrouve tout de suite.